y est pas tout le monde. Alors voilà, je ne parle pas trop fort, je suis désolée. Mais voilà, j'ai voulu revenir sur le sujet des Fab Labs en fait, et juste en fait vous inviter un peu à comprendre qu'en fait les Fab Labs c'est un bénéfice qui est international. Les Fab Labs en fait, vous allez pouvoir en profiter partout, que vous soyez globe-trotteur et entrepreneur, vous allez pouvoir en profiter et vous en inspirer d'un pays à l'autre. Et je pense que ça, c'est vraiment un facteur d'enrichissement et de créativité pour mieux concevoir. Voilà, donc si vous avez l'opportunité d'être un entrepreneur globe-trotteur, ben voilà, c'est super enrichissant justement de se référer au retour d'expérience des différentes Fab Labs dans les différentes régions. Ces Fab Labs, en fait, voilà, donc juste pour les citer, si vous allez sur Internet, en fait, vous avez des listes de Fab Labs. Je trouve que c'est super intéressant et vous voyez la répartition géographique de ces Fab Labs. Et ce qu'on note, c'est l'importance de la progression de ces Fab Labs. Phénomène de mode ou pas, c'est une autre problématique, mais de façon générale, on s'aperçoit que le maillage se resserre et un petit peu partout. On en trouve partout, les Fab Labs. On va retrouver beaucoup en Afrique, beaucoup en Asie. On va les retrouver forcément beaucoup en Europe également. On les retrouve largement dans l'océan Indien également. Et dans bien des pays et des continents. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il peut vraiment y avoir un grand bénéfice, justement, à profiter de cette expérience transdisciplinaire entre tous les différents Fab Labs et surtout profiter du retour d'expérience international de ces Fab Labs. Et je dois quand même appuyer un point, c'est qu'en France, notamment, et en Europe, on est riche de Fab Labs. Donc profitez-en. Je vous dis à bientôt, y est pas !